Allez bonjour les amis, bonjour les gilets jaunes, bonjour le peuple de France, bonjour tous les autres peuples du monde. Euh, je ne vais pas m'attarder à faire les partages. C'est une vidéo extrêmement courte pour vous dire bonjour et pour vous montrer ce que je viens de filmer il y a quelques euh, Minutes pour le partager avec vous, je, je n'ai pas fait de live de cet endroit là parce que euh, souvent les problèmes de connexion, vous qui me connaissez, euh, saccade donc c'est live, vous m'entendez pas donc j'ai décidé de vous diffuser euh, la vidéo depuis mon cette chambre qui me sert de studio. Euh, voilà, allez, je vous diffuse la vidéo. Et je vous dis un mot après. Et après, on s'arrête. C'est parti. Donc c'était il y a quelques minutes. Et après, je vous reparlerai en live. Bonjour les amis, je fais cette vidéo en différé à cause du réseau pour éviter les coupures. Voilà, je partage avec vous ce beau lever de soleil de Normandie en France, non, ce n'est pas ailleurs. Possible en France à chaque moment qu'il y a une pause sur les chemtrails, mes amis. Alors, continuons à exiger des explications, continuons à nous battre sous le drapeau des gilets jaunes et de n'importe quelle résistance. À 13h, mettez votre gilet jaune, peu importe là où vous serez, les amis. Et ce samedi, acte 22, mettez le gilet jaune et vivez normalement. Allez faire les magasins pour que les autres citoyens vous voient. Ne cherchez pas les confrontations, n'allez pas sur les parcours déclarés. Allez, à tout à l'heure mes, mes chers amis. Passez un bon jeudi. Voilà, là je vous parle en direct les amis. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, juste un mot. Avant de couper, alors l'actualité est riche bien entendu, je n'aurai jamais le temps tout seul de tout disséquer, ni vous de tout écouter, de tout suivre. Euh, donc le live d'hier soir, euh, je vous ai donné, je vous ai montré l'article, l'information euh, sur ce chirurgien, sur ce chirurgien euh, suspendu par le Conseil de l'ordre des médecins. Euh, pour au moins 54 dossiers euh, qui montrent que les malades ont été opérés sans justification médicale. C'est à, à Grenoble. Euh, certains patients, euh, un patient amputé, un autre en fauteuil roulant. Euh, alors, pour vous dire un mot extrêmement rapide, euh, vous êtes et nous sommes, moi je l'étais je ne le suis plus, euh, vous êtes des vaches-allées euh, pour euh, tout ce qui est... Euh, médecine pour certains médecins, mais surtout pour les hôpitaux, les cliniques, les certains chirurgiens. Euh, à partir du moment où vous avez non seulement la sécurité sociale, ce que tout le monde a en France, mais surtout, surtout, c'est là où je voulais vous, vous faire passer ce message. Si vous avez une mutuelle et malheureusement une bonne mutuelle, euh, vous êtes euh, considéré comme une vache à lait. Donc on essaiera absolument à chaque fois de vous faire des actes, que ce soit dentaires, on connaît les, les dents arrachées euh, pour mettre des couronnes les plus chères. Non mais vous, vous, vous avez une bonne mutuelle, vous inquiétez pas, hein, c'est 10 euros de votre poche. C'est vrai que vous payez rien, hein, mais euh, sauf que cette dent peut-être, elle aurait pu être soignée pour moins cher. C'est vrai que vous, à la fin, vous payez que 10 euros, mais euh, le gain euh, qui est obtenu avec, la, avec votre mutuelle suffit à convaincre, à corrompre, euh, que ce soit le chirurgien ou l'hôpital, lorsqu'on va vous pratiquer euh, des examens euh, à répétition, peut-être même des opérations. Ou des nuitées euh, dans l'hôpital. Donc voilà, et euh, ça s'arrête pas là. Hein. C'est les soins infirmiers à la maison. C'est demain lorsque vous serez euh, à la retraite euh, et que on fera tout pour que vous finissiez dans une maison euh, médicalisée ou une maison de retraite. Bah là c'est pareil. Hein. C'est parce que vous avez une bonne mutuelle. Vous serez une vache allée. Euh, dans un institut à finir vos jours. Donc voilà, j'attire votre attention, c'est vrai que ça vous paraît incroyable euh, que je vous dise que ce qui vous tue et ce qui vous tuera et ce qui vous empêchera de vivre, c'est votre mutuelle. Euh, de, de manière générale, c'est votre argent. Hein. Si vous avez la chance d'être un, un petit peu euh, fortuné ou un petit peu à l'aise, confortablement dans votre vie, soit parce que vous avez cette chance, soit parce que vous avez travaillé euh, toute votre vie et ben vous êtes une cible de choix pour le monde médical euh, donc voilà, bon, et faites comme moi moi je l'ai fait parce que j'ai été viré de la RATP au bout d'un an, la mutuelle s'arrête donc euh, franchement euh, je ne vais plus chez, chez le médecin, je n'ai plus besoin j'ai... J'ai une hygiène de vie, euh, je fais attention à beaucoup de choses, ce qui m'évite euh, d'être malade tout simplement. Euh, le sport, mes chers amis, vous euh, donne de l'immunité, hein, vous protège des maladies, il y a plein d'autres euh, précautions à prendre. Euh, donc euh, sachez-le, J'ai franchement, j'ai plus d'ennui. Et c'est pas parce que je n'ai pas une mutuelle que euh, je suis mort d'anxiété ou d'angoisse, euh, comme on vous le fait croire à l'idée que peut-être je devrais être opéré de l'opération du siècle et que si je n'ai pas de mutuelle, alors là, euh, je suis foutu. La mutuelle, c'est tout simplement une assurance. Hein. Bon, euh, je connais une personne, je connais d'autres personnes, mais au moins. Une Personne, euh, je peux vous parler de plusieurs cas, mais une personne qui euh, étant à la retraite, euh, parce que quand vous travaillez, vous payez presque rien à la mutuelle, hein. on vous prend 30 euros par mois et vous couvrez les enfants, alors ça vous rassure, mais lorsque vous êtes ensuite à la retraite, c'est pas le même tarif, et alors cette personne euh, payait 150 euros par mois. 150 euros par mois, d'accord, ce qui nous fait, si vous faites le calcul simple, 1800 euros euh, par année. Et sachez que euh, depuis quelques années, euh, c'est fiscalisé, hein, euh, les, les, les versements aux mutuelles est fiscalisé, c'est-à-dire que vous repayez, ça vous augmente vos impôts. Euh, 1800 euros par an, on, on peut faire un calcul simple, on va pas remonter, euh, cette personne approche des 80 ans, on va pas remonter, mais on va dire, allez, sur 20 ans, qu'est-ce que ça fait eh ben, 36 000 euros, 36 000 euros sur 20 ans. Cette personne a eu plusieurs actes, euh, elle a une liste interminable de, de médicaments, plusieurs actes médicaux. Dans l'ensemble, les actes médicaux, on peut les estimer, euh, parce que la sécurité sociale prend une grande part, hein, lorsque si vous êtes opéré. Hein, franchement, vous n'avez pas besoin de mutuelle. Euh, donc euh, les actes euh, au total, sur les 20 dernières années, on peut les estimer, franchement, sans, sans banaliser quoi que ce soit, à pas plus de 2000 euros. Mais là, j'exagère, hein, parce que c'est beaucoup moins. À ben, faut regarder la vous voyez la différence? 36 000 euros pour au final 2 000 euros euh, rendus. Il y a un moment, il faut arrêter d'avoir peur. Hein. Si ça doit arriver, ça arrivera. C'est comme le don d'organes. Hein. C'est une, une porte ouverte euh, à plein de trafic. Donc faites le papier ou vous opposez au don d'organes. Hein, il faudrait améliorer le système de santé, euh, arrêter les vaccinations abusives et beaucoup de choses se régleront. Euh, voilà, sur ces mots, mes chers amis, je vais vous dire au revoir. Je ne vais pas pouvoir, malheureusement, euh, répondre à vos questions. Je n'ai pas prévu cela. Mais essayez dans euh, les lives du soir, je vous préviendrai, de poser des questions pré précédées d'un cul comme question euh, et si je vois les mêmes questions revenir trois fois ou les mêmes thèmes ou les mêmes sujets de façon générale revenir trois fois eh bien j'essaierai d'y apporter une réponse alors très rapidement eh bien bonjour et excellente journée donc aux personnes qui se sont exprimées à Ginette à Mohamed à Olga à Jobson, peintre dans le ciel, affirmatif. À Claudia, alors est-ce que j'ai quelqu'un d'autre que je n'ai pas vu Eh bien, c'est très bien. Et pour tous les autres que je ne vois pas, leurs commentaires sur les autres euh, réseaux sur lesquels je diffuse, pareil. Je vous souhaite une... déjà bonjour. Et ensuite, je souhaite à tout le monde, même ceux qui regarderont après, une très très bonne journée de ce jeudi 11 avril. Et on se retrouve, bien entendu, comme d'habitude, ce soir, les amis. Allez, bonne journée